Monsieur Bami, Monsieur Tamou l'accuse d'avoir volé ses deux régimes de bananes. C'est pour ça qu'on est au tribunal le jour du Ramadan à cause de vos problèmes. D'ailleurs même, où est votre avocat? Où est l'avocat qui va assurer votre défense? Montrez-le-moi. Le procureur, voici mon avocat, ici. Monsieur Tamou, vous avez la parole. Monsieur le procureur, Monsieur Bami c'est un voyou. Depuis toujours, c'est un voyou. Je suis persuadé que c'est lui qui a volé mes deux régimes de bananes. Parce que quand je suis venu au marché, il ne faisait que me mettre des bâtons dans les roues. Parce que je vendais plus que lui. Et s'il veut mentir ici, j'ai les photos. J'ai tout filmé quand il prenait mes régimes de bananes. J'ai tout filmé. Voilà ça dans mon téléphone. Si vous voulez, je vous donne. J'ai les photos et les vidéos. Procureur, c'est un gros menteur. Le gars, il me déteste depuis. Il me déteste toujours. Quand il vend ma cola toujours à côté, et il a que mes nuits. Aujourd'hui, c'est au tribunal qui veut m'amener. Monsieur, il ment. Ah, monsieur Tamou, où sont les preuves alors? Où sont les preuves que monsieur Bami a pris vos bananes et vos bananes, s'il vous plaît, vos deux régimes de bananes? Où sont les preuves? Montre-moi les preuves. Laisse donc la parole à ton avocat, laisse-le parler. Donne-moi ton avocat, j'entends. Il va dire ce qu'il a dit. Tenez donc mon avocat, tenez monsieur le procureur. Dis donc-moi, donne-moi. Oui. Mais monsieur Bami, vous êtes sûr? Je pense que vous êtes coupable, parce que même l'avocat, il a des arguments puissants, très puissants contre vous. Moi, vous êtes dans la situation des affaires. J'ai raison, je n'étais sûr que j'avais raison. Procureur, on peut s'arranger, non? Pardon, paix, vite. Je mets mes lunettes, ça me donne un air plus sérieux. Voilà, monsieur Bami, je vous écoute, vous dites quoi? Je vais vous dire un truc, pardon. Parlez dans mes oreilles, comprends? Dis papa, j'ai deux avocats ici, je te donne. Je te donne les deux avocats, c'est bon comme ça. C'est chut. Ok, chut, parle doucement. Bon. Prends alors. Prends. Marché conclu. Donne-moi les deux avocats là alors. Merci. Merci. Voilà. Ça va. Science est levée. C'est terminé. La science est levée. Monsieur Bamier, il nous a dit. Innocenté, vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez rentrer, la séance est levée. Monsieur Bami est innocent. Merci, monsieur le procureur. J'étais sujet si innocent. C'est toi qui voulais toujours compliquer la vie avec tes choses, ta mou. C'est comme ça que tu veux jouer, Bami. C'est comme ça, non? Ok, tu vas voir. Procureur, monsieur le procureur, je peux vous parler un instant aussi. Petite quoi, ta mou? Rapprochez-vous avant de parler. Ne parlez pas n'importe quoi. Oui. Procureur, je peux vous donner 4 avocats. Avocat B, 4 avocats. C'est bon, j'ai l'affaire comme ça. Vous comprenez, monsieur le procureur. 4 avocats. Aïe, 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 aïe. 4 avocats. Aïe, attendez, réfléchis. Bon, alors, doucement. Donne-moi doucement. Et là, alors, venez. Voilà. C'est bon, non, monsieur le procureur. C'est bon. Voilà, plaisir. Monsieur Bami, vous êtes coupable à nouveau. Vous êtes coupable, revenez. Vous êtes coupable à nouveau, revenez. Revenez, vous êtes coupable, venez. Comment ça, je ne suis plus innocent? Monsieur Bami, je vous condamne à 3 jours de corvée. Vous allez nettoyer. Vous allez nettoyer le jardin du tribunal. Vous allez couper tous les herbes que vous voyez là-bas aux alentours. Vous allez tout couper les herbes là. Vous allez bien voir qu'ici. Et vous allez payer 2 régimes de bananes. Remettre à monsieur Tamou pour compenser ces 2 régimes que vous avez volés. Je ne veux pas couper tes aides là. Il y a les soupçons sur ça, il y a les soupçons sur l'avocat, il y a les soupçons derrière au tribunal. C'est bon. Et cet homme, n'hésitez pas à revenir si vous avez un problème. Hein. N'hésitez pas. Vous comprenez, bonne continuité, bonne chance à vous. Monsieur le procureur, je n'hésiterai pas à revenir ici. Bon, bonne fête du Ramadan. Hein. Bye.